Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission « Autant le dire ». Qui a tué Martinez Zogo? La question brûle toutes les lèvres depuis que le corps supplicié et quasi faisandé du directeur d'Amplitude FM a été découvert dans un terrain vague dans la banlieue de Yaoundé. Depuis lors, les supputations n'arrêtent plus de déferler. Entre les pistes apparemment plausibles et les révélations totalement farfelues, l'on se perd en conjectures. Ces fantasmes sur l'assassinat sauvage de Martinez Zogo prospèrent dans un environnement laissé favorable par l'absence de la parole officielle devant une affaire macabre qui a blessé la conscience de chaque Camerounais. Ajoutez à cela une crise de confiance remarquable entre le citoyen et l'institution judiciaire. Qui a tué Martinez Zogo? Saura-t-on jamais la vérité sur la mort de notre confrère? Nous poserons cette question et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Alben Zongan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette autre édition de l'émission Autant le dire. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de vous, qu'on ne vous a pas vu dans les médias. Qu'étiez-vous devenu? Ben, je suis pas un journaliste. J'étais en train de travailler, faire le travail qu'un homme politique doit faire, écouter le peuple, chercher les solutions à leurs problèmes et proposer à qui de droit et attendre d'agir. Alors, on a cru que vous étiez un peu essoufflé, alors qu'un vieux politicien comme vous devrait savoir que la politique est un sport de combat, hein. Qui peut m'essouffler? C'est moi qui essouffle les autres. Ouais. Donc, je crois que chaque fois, quand il se réveille, chacun demande qu'est-ce que Albert Zongan a encore dit. On dit, il n'a rien dit. Je crois que mon silence est plus sonore que mes paroles. Donc, à ceux qui pensent que nous dormons, nous ne dormons pas. Quand on a un ennemi comme celui que nous combattons, on ne peut pas dormir. On ne peut pas se permettre de dormir. En clair, vous n'êtes pas encore essoufflé. Vous avez encore de l'énergie pour... J'ai réservé ce qui me reste de ma vie au combat pour un mieux-être pour les générations futures. Et je crois que j'y arriverai. En tout cas, merci de l'honneur que vous nous faites pour rompre avec cette diète médiatique que vous étiez imposée. Le sujet avec lequel on va commencer cette émission n'est absolument pas gai, c'est l'assassinat, vous êtes au courant, de notre confrère Martinez Zogo, le directeur de Amplitude FM, qui a été sauvagement assassiné. Alors, comment avez-vous réagi à cette nouvelle, une fois que vous en avez été informé? Bon, ma première réaction a été de demander à nous autres, qui avons encore la chance d'échapper au bourreau, de ne pas laisser Zogo mourir pour rien. C'était de donner un sens à sa mort et de dire que c'est un élément déclencheur pour la libération du peuple. Malheureusement, hélas, ceux qui devaient le porter ne l'ont pas fait. Et quand on est là où nous sommes, on peut comprendre parfois le comportement de certaines personnes, parce que ce n'est pas n'importe quel chasseur qui affronte le lion. Ouais. Il y en a qui perdent leur fusil rien qu'à le voir pointer du nez à l'oreille d'une forêt. Donc, je dis, ceci a permis de comprendre que ce garçon mort, Alice, absolument, était dans un milieu dont le non-journaliste n'est que non. Parce qu'au Cameroun, il y a aujourd'hui deux professions de génération spontanée. Vous voyez un va-nu-pied qui n'a rien à manger, et du jour au lendemain, il vous dit qu'il a eu une révélation, il est pasteur. Et il veut vous montrer le chemin de la richesse et le chemin du ciel. Au Cameroun également, vous voyez un affamé qui du soir au lendemain vous dit qu'il est journaliste. Mais c'est que son journalisme, c'est juste un moyen pour gagner son pain, pour manger. Le oui, reste, mais chaque profession, c'est un gagne-pain. C'est un gagne-pain. Quand tu es professionnel, ça veut dire que c'est un métier que tu connais, que tu as appris. Quand tu es bricoleur, tu es bricoleur. Et le bricoleur n'est pas professionnel.
Au Cameroun, on a des journalistes professionnels qui gagnent leur vie en faisant du journalisme. On a des aventuriers qui gagnent leur vie en se passant pour des journalistes. Ça, c'est, il faut bien le comprendre. Donc, à la mort de cet enfant, on a bien compris que ceux qui gagnent leur vie en se passant pour des journalistes, ça ne leur dit rien. Ils n'ont pas perdu un confrère, ils ont même perdu un concurrent. Parce que ces journalistes de pacotille combattent les vrais journalistes qu'ils présentent comme des revendiqueurs, des revendicateurs, des gens qui ne savent pas se contenter de remplir leurs pensées. Donc je dis, pour nous, pour nous qui luttons pour le changement, Zogo n'est pas mort. Il s'est offert en holocauste. Et ce genre de mort produit toujours des effets. Vous verrez que cette mort sera quelque chose pour l'avenir de ce pays. Alors, est-ce que vous avez connu Martinez Zogo? Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai quelquefois écouté. Oui. Et en l'écoutant, j'ai compris qu'il était un peu comme moi. Ceux qui ont appris à dire ce qu'ils ont à dire, tant qu'ils sont convaincus que c'est de la vérité et que c'est nécessaire de le dire pour que d'autres le sachent, peut-être pour prévenir ou pour soigner la société. J'ai été sidéré quand des journalistes, vraiment là, des vrais journalistes, ont commencé leurs commentaires par « ils faisaient le journalisme de caniveau ». Mais mon ami, qu'est-ce que le canard enchaîné fait en France? Ce journalisme de quoi? Chaque journaliste a sa méthode, son créneau, sa façon d'atteindre un cible. Celui-ci avait choisi de ne pas prendre des gants pour dénoncer. Et il savait le risque qu'il prenait. Il a lui-même prédit qui c'est qui ne vivra pas longtemps. Ouais. Alors c'est vrai que Martinez Zogo avait un style plutôt inimitable. Alors le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, a indiqué que toute la lumière sera faite sur l'assassinat de Martinez Zogo et on saura qui l'a tué. Vous y croyez, vous? Ben, comment peut-on croire à un fief menteur? Ce n'est pas la première fois qu'il dit des choses. Attention, vous parlez du ministre de la Communication, là. Qui parle au nom du gouvernement? Je parle du gouvernement. Le fief menteur, pour moi, c'est le gouvernement qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de dire ce qu'il ne fait pas et de tromper son peuple. Quand vous dites que la vérité sera faite, mais vous êtes naïf. Quand un singe est président du tribunal, vous pensez que quel chimpanzé peut être condamné? Je ne comprends pas. Ah, il faut comprendre. Ça veut dire que quand le singe est président du tribunal, le chimpanzé qui est de sa famille ne sera jamais condamné. Le pouvoir en place n'est pas innocent dans ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'étais curieux quand je vous entends partout dire « on cherche l'assassin ». Dans cette histoire, l'assassin, pour moi, c'est une main exécutante. Ce sont les donneurs d'ordre. Oui. Donc, pour vous, c'est celui qui a commandité l'assassinat. C'est les assassins aujourd'hui. Vous avez vu l'affaire Pondo, on a attrapé des innocents, on leur a coupé la tête et ça s'est arrêté là-bas. Mais on n'a jamais cherché qui avait envoyé ces gens et pour quel but. Raison, oui. Maintenant, on va vous présenter quelques totos. On va même les droguer pour qu'ils viennent avouer que oui, oui, c'est nous. D'autres vont même dire qu'ils avaient des problèmes au quartier avec Zogo. Mais on dit toujours à qui profite le crime. Oui. Le crime de Zogo était ce que chacun de nous peut commettre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire celui de tenter d'ôter l'os de la gueule d'un chien. Quand Zogo s'attaque à la distribution, au vol massif, au profit de quelques individus, du fruit de notre de sueur, mais ceux-là ne peuvent pas le laisser prospérer. Parce que quand vous êtes un travailleur, si cette saison, la récolte n'est pas bonne, vous vous dites, je vais cultiver, je vais mettre plus d'engrais, et la saison prochaine, j'aurai une bonne récolte.
Mais quand vous êtes un voleur, ce que vous avez déjà en main, si vous avez l'impression que quelqu'un veut vous la retirer, vous savez que si vous retirez, il ne vous reste rien. Donc vous le tuez. Et c'est normal. Et c'est ce qui est arrivé à Martinez. C'est ce qui est arrivé à Martinez. Alors, il y a eu quand même une vive émotion qui a traversé le monde entier à la suite de l'assassinat sauvage, il faut le dire, de Martinez Zogo. Les médias internationaux en ont parlé. Il y a eu également la réaction au Cameroun d'un certain nombre de chancelleries, l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne, la représentation de l'Union européenne au Cameroun. Je vous passe les réactions de la classe politique camerounaise, notamment celle de l'opposition. Est-ce que autant de réactions ne peuvent pas servir de pression sur le gouvernement et l'amener coûte que coûte à dire la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo? Non, 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 ne vous leurrez pas. Ça, ce sont des larmes de crocodile. Quand vous avez affaire à un gouvernement sanguinaire comme celui-ci, on sait que le couteau ne craint que le couteau. On sait bien que si aucune pression... Et le verbe ne leur fait rien. Le verbe, c'est comme l'eau que vous versez sur le caïman, en croyant que c'est qu'il sera mouillé, alors que c'est là qu'il vit. Le Cameroun est convaincu qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut arrêter des gens dans la rue, les mettre en prison, les y garder. L'ONU va dire, nous ne sommes pas d'accord. On vous condamne. Moi, j'ai demandé à l'État de me payer 60 milliards. Pour les dommages qu'ils ont causés, qu'ils m'ont causé en me mettant en prison. Ça ne leur dit rien. Ils se disent que, ben, il peut faire quoi? Vous vous souvenez qu'à notre sortie de prison, le président Macron, que je remercie, avait dit, j'ai demandé à Paul Biya, à M. Biya de les laisser. D'accord? Oui. On nous avait arrêtés ici, Kamto et moi. Nous, on avait marché. Donc, il y avait un début de prétexte pour qu'on nous incrimine. Voilà Foguet, voilà Biboum, voilà Zamboué, voilà d'autres personnes qu'on a arrêtées chez eux. Ils n'ont pas marché. On a dit seulement, vous avez l'intention de marcher. Mais Macron est mort. Pourquoi on ne dit plus rien? Revenons à l'affaire Martinez. Donc, c'est pour vous dire, je voulais vous dire que les condamnations verbales, c'est rien. L'ONU sait où on peut tenir ce gouvernement à un endroit sensible pour qu'il ne fasse plus ça. Parce que nous ne pouvons pas ramener Zogo à la vie, mais on veut que plus jamais ça. Et que ça serve à quelque chose pour qu'on mette en place des gens qui respectent la vie des autres. Alors, quel intérêt le gouvernement a-t-il à ne pas faire la lumière sur l'assassinat de Zogo, alors que Martinez Zogo avait la réputation d'être pro-Biya. Avant son émission, il commençait chacune de ses émissions par saluer le président et son épouse, et il le disait très clairement, il est pour le président Paul Biya, pour les institutions et ceux qui les incarnent, c'est-à-dire le président Paul Biya, et parfois il citait également son épouse. Alors, ce n'est pas suffisant pour que même le président de la République cherche à voir clair. Est-ce que tu sais pour savoir qui a assassiné son fils, celui qui le prenait pour un père? Si l'écoutez, il y en a beaucoup qui se présentent comme fils de Biya et finalement sont déçus. Je veux prendre le plus célèbre, qui n'est pas lucide, Massanga Nyamdi. Il vous a toujours dit que lui, il est Biya. Il y en a même qui disent qu'ils sont les créatures de Biya. Biya n'a pas le temps pour cela, il ne les connaît même pas. Ça devient pour eux une fixation. C'est même un rêve. Donc, dire que si je t'encense aujourd'hui et je t'attaque au portefeuille, tu vas dire que les paroles, je m'en moque. Mais c'était le réseau. Vous croyez que quand on sort tout cet argent de la lignée 94, on donne à mon ami à Mugu Belinga, il met dans sa poche, il dort comme ça? Non! C'est un redistributeur. Et on sait que peut-être ça remonte jusqu'au sommet. Donc, quand vous désignez le voleur, je vous ai déjà expliqué sur le plan traditionnel, quand le chef permet à Senchida d'aller attraper une chèvre pour lui,
et que les Nchinda vont attraper 50 chèvres. Quand les 50 personnes viennent se plaindre à la chefferie, que fait le chef? Il leur dit vraiment, je veux voir ça. Je veux voir ça. Parce qu'il est complice. Mais depuis qu'on crie que l'argent est sorti et qu'on ne sait pas pourquoi tant d'argent sort, alors que des Camerounais n'ont même pas de banque, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas se nourrir. Mais les gens sont plutôt venus se moquer de vous en disant, vous avez la chance qu'on ait sorti cet argent pour l'honneur du Cameroun. D'abord, on n'a pas sorti que pour lui, on a sorti pour les autres. Alors, les Camerounais se seraient attendus à ce que, pour la clarté de la gestion de notre patrimoine, qu'on nous sorte une liste pour dire que, bon, on a financé Bruno Tani pour qu'il crée son Naja TV, on lui a donné tant, et qu'on voit si effectivement ce qu'on criait n'était pas une exagération. Non, mais les gars ont dit, fermez votre gueule. La malchance pour eux, ce qu'ils ont eu comme agent, un incontrôlé. Parce que, je prends un exemple, les gars, vous vous êtes étonnés ici, les gens se sont sentis insultés quand des gars sont allés au stade dit qu'ils boivent du Pétrus et des Dom Pérignon. Mais si c'était enfermé pour boire même 1000 Pétrus sans parler, qui aurait su? Personne. Donc, si ces gens n'avaient pas eu pour agent quelqu'un qui ne se sentait plus, et c'est comme ça, quand un chien a l'argent, on l'appelle Monsieur Chien, hein. Il revendique même hein, qu'on lui donne, qu'on se décoiffe au devant de lui. Oui. Donc je dis, nous sommes dans un engrenage et la seule façon de sortir de là, c'est de détruire le système. Et pour détruire le système, ce n'est pas les pleurs des journalistes, ce n'est pas les incantations de l'ONU, ce n'est pas les condamnations de la France ou de ceci. C'est le peuple camerounais qui, à un moment, devra dire, se faire violence pour dire « Mieux vaut mourir que de vivre si longtemps à genoux. » Alors, on parlait du concert de réactions qu'on a observé à la suite de l'assassinat de Martinez Ogo. Il y a eu également cette réaction assez remarquée des chefs de l'Alekié. Ils ont fait une première sortie très forte pour condamner l'assassinat de Martinez Ogo. Et effectivement, ils ont dit que le président devait faire un effort pour qu'on sache la vérité. Sinon, le corps de Martinez Ogo serait enterré chez lui à Mbomeka dans le caveau familial. Et deux jours plus tard, patatras, les mêmes chefs ont fait une autre sortie, cette fois pour présenter des excuses au chef de l'État, estimant que leurs propos avaient dépassé leurs pensées. Alors, comment avez-vous jugé ces différentes sorties des chefs de l'Alekié? À ce chef de l'Alekié, je fais allégeance et je me mets à genoux. Enfin, on a trouvé au Cameroun des chefs qui savent à quoi ils servent. Ils sont les guides et les protecteurs de leur population. Si les autres chefs avaient osé faire ça, si les chefs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'étaient levés une seule fois pour dire au pouvoir, faisons la paix. Que font nos enfants en prison? Que font ceci? On n'en serait pas là. Et qu'est-ce que vous faites de leur rétropédalage? J'y arrive. Oui. J'y arrive, monsieur. Quand on m'a arrêté ici, dans cette maison, avec une personne qui représente aujourd'hui l'espoir de tous les opprimés, Kamto, on nous a gardé presque un an. Vous avez entendu qu'un chef de l'Ouest est venu nous voir? Ils ont bu leur champagne en disant « ils cherchaient quoi hein? Nous, on est là, on est tranquille, le gouvernement est bon. » Pour une fois que des gens viennent en plein jour, là où le crime s'est passé, et dire « nous condamnons » et « ce que vous avez fait, vous payez » et « nous pensons même que ce corps ira chez vous. » De Martinez Ogo n'existe même pas, il est tellement mutilé que c'est son esprit qui va aller habiter là-bas. Alors, ils ont justement dit qu'ils n'acceptent pas les asticots. Oui, mais laissez-moi le matériel là, parce que le corps là est devenu un objet. Oui. Mais c'est l'esprit de Martinez Ogo qui va aller habiter chez eux, qui va les hanter tous les jours. Et puis, vous ne connaissez rien à la tradition. Même ceux qui passent là à dire qu'ils sont chevissons. Moi, je suis neuf notables.
Donc nous sommes des gens qui avons de la double vie. Et nous gérons la tradition et les hommes. Quand tu vas au marché, tu pètes après avoir mangé du gibier et tu fuis. L'odeur vient avec toi. L'odeur reste là où tu as pété. Ces chefs ont pété. Et quel que soit ce qu'on va dire après, le fusil sur leur temple, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ce que vous appelez rétropédalage, oui. Ça s'est passé où dans leur chefferie. Ils ont été invités par... C'est un individu qui se protège. Le ministre Don Soumet. Et le ministre Don Soumet, c'est qui? C'est le patron de la Lekié. C'est un mangeur qui voit en ce geste la, peut-être la cause de son éviction de la table de dîner. Il se dit que si la Lekié dit qu'elle n'est plus avec Paul Biya, moi je suis de la Lekié, Paul Biya risque de ne plus me permettre de manger. Il défend sa nourriture. Si on lui demande de donner 3 autres ogos pour continuer à manger, il donnerait. Oui. Alors, je vous propose, Albin Zongan, pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas regardé cette première sortie assez forte, il faut le dire, des chefs de la Lekié, je vous propose de regarder cette sortie et nous revenons juste derrière. De la République, notre fils, Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Lekié, par notre voix, demande que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Lekié, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Etone, Mangissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Lekié mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Lekié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président. Vous, son père. Voilà, vous avez donc regardé Albin Zongan et nos téléspectateurs, cet élément assez fort, hein, presque violent, des chefs de la Lekié. Donc, après avoir dit ceci, les mêmes chefs, 2 jours plus tard, reviennent présenter toutes leurs sincères excuses au président de la République. Et vous, ça ne vous dit rien. Ben, si vous voulez, restons dans le gestuaire. Oui. Sur la place mortuelle, on les a tous montrés. Oui. Et on a montré le geste. Maintenant, on a pris quelqu'un qu'on a cadré, comme vous voulez me cadrer là. On l'a mis quelque part, on lui a donné un document écrit par Don Soumet, parce que c'est son style, je le connais très bien, ce sont mes anciens camarades du parti. Et le gars, il a même son bâton, il lit en tremblant, il n'était pas en chef. Le chef, quand il fait sa déclaration, il est assis. Et il parle
au peuple. Quand vous dites, nous, les chefs, réunis tel jour, on doit voir ce chef avec qui vous vous êtes réunis autour de vous. L'urgence était tout simplement de lire. C'est comme l'émotion de soutien, où trois personnes se cachent dans leur maison, écrivent quelque chose pour se rappeler au bon souvenir du président Biya et mettent le nom des autres. Souvent, les gens découvrent leur nom dans les journaux disant qu'ils ont signé l'émotion, alors qu'ils n'ont rien signé. Je dis ce qui s'est dit dans le bureau de Don Soumé est une déclaration de sauve qui peut. Oui, vous voulez que je dise quoi pour que vous ne me tuez pas? Dites que tu demandes pardon à Paul Biya. Paul Biya, je te demande pardon. Mais dans son cœur, il dit, Zogo, ne dors pas. Travaille sur eux. Et donc, contrairement à cette avalanche de critiques qui s'est abattue sur les chefs de la Leke dans les réseaux sociaux, où on les affuble de traîtres, je vous passe d'autres mots. Le geste-là ne peut pas s'effacer. Oui. C'est un geste ineffaçable. Oui. On ne les ramènera plus là-bas pour leur dire « ramassez vos instruments » traditionnel de malédiction, ne faites pas ceci. Non, ils ont dit qu'ils n'insultent pas Biya. Oui. Mais tous les chefs sont insultés en brousse. Quel est le chef qu'on n'insulte pas? Insulter Biya, c'est quoi? Moi, je l'insulte tout le temps. Mais ça lui dit quoi? Le chef n'est chef qu'effectivement parce qu'on l'insulte. Dans certains villages, il y a des endroits où tu vas te dégueuler, tu vas insulter le chef, tu tapes l'arbre en disant « c'est le chef que je tape ». Mais tu rentres chez toi. Oui. Non, disons que les Camerounais ne se trompent pas de gibier. Les chefs de la Leke sont rentrés dans l'histoire de libération de ce pays. Ils ont osé. Et quand vous osez, je viens de vous donner cet exemple de pète, quand vous osez, tant pis pour ce qu'on vous fait dire après. Parce que si quelqu'un vient au marché, il te gifle le jour du marché. Tout le monde voit qui avait giflé Tani Jean Bruno. Et le soir, à minuit, il se pointe chez toi. Il se met à genoux, il dit « Pardonne-moi. Pardonne-moi, monsieur Tani. » Ah, ça, c'est pour toi et lui. Le peuple sait qu'il t'a giflé au marché. Nous savons que les chefs valables, les vrais chefs, pas les petits Toto. Et vous savez que dans cette histoire, il y a combien de chefs là-bas dans la Leke? Il y en a qui n'ont rien dit. Parce qu'ils préfèrent être neutre. Si demain, il y a un profit au profit de ceux qui ont dit quelque chose, ils vont dire, oui, nous, on est arrivés en retard, ils avaient déjà dit. Oui. Si on veut mettre ceux-là en prison, ils vont dire, non, si on était là, on n'allait jamais accepter qu'ils fassent ça. Oui. Non. Alors, autre critique contre les chefs de la Leke, est-ce que vous comprenez ceux qui estiment qu'il y a comme une appropriation tribale de la mort de Martinez Zogo, de dire « c'est notre fils », c'est un peu comme si on voulait exclure les autres Camerounais du deuil. Est-ce que c'est une critique que vous acceptez? Non, jamais. Moi, dans ma prise de position, j'ai dit « la famille nucléaire oui. », c'est-à-dire ses parents, ses sœurs, doivent porter le deuil. La famille professionnelle, les vrais journalistes doivent porter le deuil. Oui. Son village doit porter le deuil et le Cameroun portera le deuil. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous venons tous de quelque part. Oui. Donc, il n'y a pas dans leur attitude, quand ils disent « notre mieux. Fils », il n'y a pas de... Quand ils crient, oui. Quand au village tu as deuil, tu te mets à pleurer à haute voix. Ce n'est pas pour t'entendre, c'est pour que les voisins t'entendent et viennent à ta compassion. Tout à fait. Donc, quand les chefs de la Leke se sont levés, je m'attendais à ce que les chefs Wondo se lèvent et qu'à Bafia, on se lève, et qu'à l'Ouest, on se lève, pour que le Cameroun, enfin, se libère du diable qui habite ceux qui nous gouvernent. Alors, Martinez Zogo, au moment de son assassinat, travaillait sur des affaires de détournement de fonds publics au Cameroun. Il s'était lancé dans une série de révélations avec un luxe de détails et des documents à l'appui. Il était visiblement très, très bien informé sur les affaires de détournement de fonds publics, ligne 94, 56, 67, si je ne m'abuse et tout. Alors, est-ce que finalement... C'est une affaire sur laquelle le président, pour laquelle le président de la République a demandé un audit. Beaucoup estiment que si on avait fait cet audit dans les temps,
peut-être que Martinez Zogo ne serait pas mort. Il n'aurait pas eu de sujet à faire ses émissions. Monsieur Tahi, je vous ai dit, quand un singe est président de tribunal, le chimpanzé ne peut pas être condamné. Qui va faire l'enquête? Qui à Yaoundé n'a pas bénéficié des largesses de mon cher ami Amougou Belinga? Puisque ça ne se devine pas, au moins lui c'est un bon Camerounais, il dit ce qu'il a. Je ne sais pas pourquoi vous le citez. Non, je le cite. Il y a eu Amougou Belinga qui a été cité dans les émissions de Martinez. Oui, je le cite parce que... je le cite parce que c'est la personne à qui on a trop donné sur ces lignes, jusqu'à ce qu'on nous apporte d'autres personnes. Donc c'est le nom de la personne qui a, par où, beaucoup d'argent de cette ligne 94 et... 65 sont passés. Oui. Je vous ai dit la façon dont lui-même, quand il parle aux gens, il dit « je t'ai donné 400 millions, je t'ai donné 50 millions, je t'ai donné ceci », fait qu'il tient tout le monde. Donc, si on dit d'enquêter sur cet argent et que toi-même, tu sais que sur cet argent, tu as mangé 10 francs, tu arrêtes l'enquête. Les gens, c'est un moyen qui a permis à maintenir artificiellement en état de richesse beaucoup de personnes au Cameroun. Peut-être pas seulement de fonctionnaires. Et la malchance de celui dont vous citez le nom-là est seulement que c'était par lui que ça passait. Mais comme il n'est pas un enfant de cœur, il tient tout le monde. Alors, et il s'est protégé en vous faisant écouter des enregistrements. C'est pour vous dire que ne voyez pas seulement qu'on m'a donné de l'argent, j'en ai donné à d'autres. Et ils savent que si quelque chose m'arrive, ils vont me suivre. Voilà le message que mon cher ami donne aux autres. Vous me parliez des chefs traditionnels qui ont fait marche arrière. Mais comment on devient chef traditionnel au Cameroun? Comment on devient chef? Chez nous, on nous a dit qu'on est chef. Alors, vous restez chez vous. On vous appelle, vous les chefs, vous venez chacun. On vous donne des chaises, vous vous asseyez. Le type qui vous a appelé vous donne à manger. Il vous donne de l'argent. Et il vous dit, désormais, je suis votre chef. Venez, venez me faire allégeance. Vous le couronnez, vous dites qu'il est le chef des chefs. Brusquement, le fils de roturier devient votre patron. Vous représentez donc encore quoi? Votre pouvoir traditionnel, vous n'en avez pas. Donc, tant qu'on ne va pas rendre aux chefs leur dignité, parce que le chef vivait de son peuple. Le chef levait l'impôt pour lui. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a dit, les chefs sont mes employés, je les paye. Et quand ton employé te paye, tu lui dois en retour un certain nombre de services. Une certaine allégeance. Et toute l'allégeance. Oui. Alors, les montants en cause dans ces affaires de détournement de fonds publics révélés par Martinez Zogo, les sommes sont assez stratosphériques, on ne parle que de milliards, et c'est presque une habitude au Cameroun où les détournements de fonds publics vont chercher toujours dans le milliard. Je dis que c'est un sujet, quand on a additionné les milliards qu'on aurait donné à mon ami Belinga, je crois que c'est une trentaine ou une cinquantaine. Mais mon ami, vous avez un voleur qui a pris 75 milliards. On n'en parle pas. Le ministre de l'Enseignement supérieur, il a volé au Cameroun 75 milliards. Non, il a acheté des ordinateurs qu'on a distribués. Vous m'interviewez, vous m'interviewez. Oui. Moi, je réponds. Oui. Mais ma responsabilité aussi, c'est de vous... C'est de me cadrer. Voilà. Donc, mon ami. 75 milliards pour offrir des ordinateurs à des étudiants, ce n'est pas de la même manière. Vous savez à quoi servir les 75 milliards? À offrir des ordinateurs aux étudiants. Très bien. Oui. Des ordinateurs qui n'ont même pas coûté 500 millions. Donc, tu as 74 milliards et demi qui sont passés quelque part. Vous savez... Alors, je ne sais pas de qui vous tenez vos chiffres ou alors... Quand il me citera au tribunal... Oui, oui. J'irai avec lui, on ira à l'usine où on a fabriqué les ordinateurs. Oui. On prendra les factures. Les ordinateurs Paul Biya, soit dit en passant. Ben non, le nom de Paul Biya est un nom passe-partout. Il semble que si tu
prends même la serpillière, tu l'appelles Paul Biya, il va se lever et marcher. Non. D'abord, c'est une créature de Paul Biya. Écoutez, il y a des vols qui sont plus visibles. Ce que ce gars a fait aux étudiants, au fer de lance, à l'avenir de ce pays, prendre 75 milliards à crédit. Les lignes 94 que vous parlez là, c'est les impôts que nous avons payés. Mais ce qu'il a pris, c'est à crédit. Donc, ces enfants-là vont finir l'école. Ils vont aller payer un crédit qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils n'ont pas vu. Vous savez à quoi a servi ce crédit? Quand vous marchez là-dehors, maintenant, quand vous marchez, regardez les femmes. Vous verrez dans tous les villages les femmes habillées de l'habit de Paul Biya bleu avec l'oiseau qu'on a confectionné en 2018 pour la campagne électorale. Ce monsieur, parce qu'il ne connaît même pas la valeur de l'argent, je vais revenir au million, en a commandé tellement que jusqu'à aujourd'hui, il y a des conteneurs non ouverts. Il y a des parapluies, il y a des pagnes, il y a ceci. Donc, les 75 milliards, il a pris une partie. L'autre partie, il est allé se faire chef, il dit qu'il est chef ou quoi, tout ça là. Donc, si les étudiants à qui était destiné ce jouet n'ont pas eu le jouet et ne se sont même pas plaints, on vous dit que le chef de l'État, votre papa, vous a offert des ordinateurs. Vous restez, vous ne voyez pas. Vous ne vous levez même pas pour dire que, hey, ah, papa, les ordinateurs sont passés où? Donc, ils sont sûrs que tout ce qu'ils font passe dans l'opinion et une fois, ça sera oublié. J'ai entendu quelqu'un dire, Martinez Ogo est mort, il a déjà dit, c'est fini, on n'en parlera plus. Ils mentent. Nous parlons toujours de Oumnoumbé. Nous continuons à parler de Wangi. Nous continuons à parler de Monseigneur Dombon. Et chaque fois qu'on parle d'un martyr, son esprit travaille là où il est. Et ses assassins ressentent. Sortons de bon, cette... Vous m'avez dit qu'on ne vole qu'en milliards. Oui, oui. Vous savez pourquoi on ne vole qu'en milliards? Dites-nous. Parmi tous ces voleurs de milliards, aucun d'eux ne sait ce que c'est qu'un milliard. Il n'a jamais compté 50 millions. C'est-à-dire, si vous lui donnez 50 millions en billets de 10 000, vous lui dites de vérifier si ça suffit. Pendant deux jours, il n'arrivera pas. C'est parce que leur milliard, c'est sur le papier. C'est comme le rat. Le rat, il ramasse les arachides, il remplit dans un trou, après il repart, il ne sait pas qu'il a pris les arachides. Un milliard que vous entendez là, si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne mangeras même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur. C'est un criminel. Et la loi du Cameroun est devenue une histoire où le voleur est propriétaire. Est-ce que tu me comprends? Le voleur n'est jamais propriétaire. Le voleur est quelqu'un qui a pris la chose d'autrui sans autorisation. Et quand on l'attrape, on reprend la chose. On ne dit pas qu'on a repris sa chose. Votre loi dit que si quelqu'un détourne, on l'arrête, il rend l'argent qu'il a détourné. Il peut restituer le corps du délit et obtenir libération. Oui. On dit, on confisque ses biens. Donc, il a des biens. Donc, quand il vole votre argent, le bien qu'il fait là, c'est pour lui. Non, ce n'est jamais pour lui. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. On est en train de chasser les anciens premiers ministres de leur maison pour dire ça, c'est pour l'État. Donc, un voleur qui a volé, qu'on reprenne l'objet ou pas, il doit aller en prison. Est-ce que les petits voleurs de poulets, là, quand la propriété a récupéré son coq, on ne l'envoie pas au tribunal? Ils vont quand même au tribunal. Ils vont pas à Nobel. Et finissent parfois en prison. Alors, sortons de cette affaire de Martinez Ogo, des détournements de fonds publics, pour revenir encore dans une histoire triste, malheureusement. C'est le décès du ministre Gabriel Dodo Ndoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. 52 ans, il est décédé le 21 janvier dernier. Et jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de communication du gouvernement autour du décès de ce ministre, de ce jeune ministre en fonction. C'est assez curieux, non? Cela ne vous interpelle pas qu'un ministre soit décédé en fonction et on n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'il y a deux sortes de morts? Je peine à voir un communiqué du gouvernement sur le décès. Est-ce qu'il y a deux sortes de morts? Quand le ministre meurt, ça fait plus mal que quand un passager est tué en route. Je dis que c'est dommage, je compatis avec sa famille, quand fleur de l'âge, il soit mort.
mais ce n'est pas parce qu'il est ministre que sa mort devait émouvoir plus que de mon militant qu'on a tué en prison ici. Vous voulez que le gouvernement vous a dit, Paul Biya vous a dit de sa bouche, que ce que vous appelez ministre là, c'est des gens qui le ramassent juste pour leur donner un titre. Il ne se souvient même pas. Peut-être qu'il ne sait même pas que ce gars-là est ministre. Bon, s'ils font un communiqué, c'est pour eux. Quand toi, tu as deuil, mais ça, tu sors, vous appelez programme, tu distribues au tien. Donc, pourquoi je devrais me plaindre que le gouvernement n'ait pas annoncé le deuil d'un de ses membres? C'est un gouvernement que je combats. J'ai toujours dit que c'est le gouvernement des ingrats. Et toutes ces attitudes montrent que ce gouvernement-là, ce qui les intéresse, c'est ce qui entre dans leur poche. Ils n'ont même pas la solidarité d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Alors, ça va faire 4 membres du gouvernement et assimilés. Il y a des secrétaires d'État, des ministres. Est-ce que le gouvernement s'est arrêté? Qui sont décédés, justement. C'était des bouches-trous. Voilà, justement. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, 4 membres du gouvernement qui et assimilés qui sont décédés et toujours pas de remaniement, un remaniement. Pourquoi on devrait remanier le président? Pourquoi pour les remplacer, non? Il faisait quoi? C'était des papiers qu'on a placés quelque part, ça fonctionne sans eux. Il faisait quoi? Un ministre fait quoi? Il y a quelques ministres qui sont sur les postes d'argent, qui volent, partagent avec leur grand chef. Il y a d'autres là qui vont au village pour gonfler les épaules. Donc pour vous, le remaniement ministériel tant attendu, c'est... Dis donc, quand on te prépare un serpent sur un réchaud ou sur du bois dehors, c'est toujours la viande du serpent. Si tu ne manges pas le serpent, ça va passer, on l'aura préparé dehors ou dedans, que ça change. C'est des messieurs, c'est un gouvernement qui pour nous n'existe pas. Quand tu acceptes déjà d'être membre de ce gouvernement, tu acceptes d'être complice de la destruction de notre pays. Et nous n'avons pas dans le gouvernement quelqu'un où on dit « il est mieux ». Tu es mieux pourquoi? Tu n'as aucune décision. On dit sur haute instruction du chef de l'État. Tu vas à gauche, toi tu tournes à gauche. Tu vas à droite, toi tu vas à droite. Disons que tant que la justice dans notre pays est prise en otage, tant que l'armée est une armée au service d'un individu et non du peuple, et tant que les Camerounais vont privilégier leur vie à genoux que quelques coups de chicotte ou de l'eau pimentée dans les yeux pour se libérer, ceux qui sont là seront heureux. Vous voyez, ils ont trouvé une combine. Ils disent, il y a la liberté de parole. C'est ce que je venais de vous dire. Vous dites que les gens ont crié. Bien, c'est que vous pouvez bavarder. Tant que vous n'avez pas touché à son pouvoir, il s'en fout. Ouais. Je vous propose, Albin Zongan, de prendre une petite pause et nous revenons juste derrière pour la deuxième partie, la deuxième et la dernière partie de cette émission. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le stand-in. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, dans cette édition de votre émission, autant le dire, avec notre invité, Albert Nzongan. Depuis une quarantaine de minutes, nous parlons de l'actualité, notamment de l'assassinat de Martinez Zogou et des problèmes de détournement de fonds publics au Cameroun. Parlons à présent de politique, vraiment politique pure. Vous êtes le conseiller du président du MRC, Maurice Kamto. Alors, comment va votre parti? Ben, il va bien. Vous êtes Gabonais? Non, je suis Camerounais, mais... Ben, on a besoin de vous dire que notre parti va très bien. Vous n'avez pas vu ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait des meetings contre vents et marées en Consamba, à Douala. Nous allons en faire à Yaoundé. Nous sommes le seul parti vivant en ce moment. Vous voulez quoi? Alors,
Oui. Et nous sommes le seul parti distributeur des partis. Chaque jour, il se trouve quelqu'un qui prétend sortir de nos rangs et créer son parti. Même le RDPC n'a jamais produit autant. Mais ça devrait vous inquiéter, cette saignée de vos militants. Non, saignée où? Ils partent avec qui? Chacun en partant dit qu'il a vidé et l'autre qui part vide. Mais finalement, qu'est-ce qui reste alors? Puisque chacun qui part a vidé. Et on ne voit pas derrière eux ce qu'ils ont emporté avec eux. Écoutez, monsieur, ce que je vous disais de la politique au Cameroun, c'est ce que nous avons réussi à faire. Être crédible aux yeux du peuple. Montrer qu'on peut se sacrifier pour le peuple. La politique, il ne suffit pas de crier Paul Biya Moscou, ceci, cela. Le peuple vous regarde. Et la politique, pour t'enraciner, c'est une histoire de temps. Parce que dans un premier temps, on te soupçonne. On te regarde. Tes adversaires te combattent. Le peuple observe. Et le jour où le peuple dit, j'ai choisi, voici le mien, il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce que je disais pour les chefs. Le jour où ils ont dit, nous maudissons celui qui a tué Zogo, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Ça ne se rattrape pas. Oui. Alors, dans le RDPC, le MRC est aujourd'hui avec le RDPC, qui est un parti administratif, et nous sommes un parti de masse, ce qui anime la vie politique de ce pays, accompagné d'autres Camerounais, mais de moindre envergure. Oui. Alors, votre président, Maurice Kamto, a récemment, lors d'un de ses meetings, annoncé que le MRC participera à toutes les élections de 2025, donc législatives et municipales, et l'élection présidentielle. Alors, à quoi vous jouez finalement? Un coup, vous refusez de participer aux élections, un autre coup, vous décidez d'y aller. C'est quelle danse, ça? Ben, même dans la vie humaine, il y a des moments où on te prépare, où on te présente à manger, tu dis que tu es rassasié. Ça n'empêche pas que demain, tu aies faim. Ou tu dis que cette qualité de nourriture, je n'en veux pas. Oui, sauf que c'est demain... interprété comme une inconstance de non, on sent. Nous ne sommes pas là pour travailler, pour qu'on nous rende, pour qu'on comprenne la constance ou l'inconstance. Nous sommes là pour montrer aux Camerounais qu'on peut se sacrifier pour obtenir un vivre ensemble meilleur pour tout le monde. Quand nous disons que nous n'allons pas aux élections, alors que nous sommes en position d'y aller, mais les gens ne voient que ce que nous avons dit. On ne voit pas ce que l'adversaire a préparé. Oui. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul. Avec du recul, oui. Ceux qui sont allés. Pourquoi vous avez refusé d'aller à ces élections? Parce qu'on ne voulait pas jouer le rôle de faire valoir. Moi, je suis un ancien député. Et cette fois, en y allant? En y allant, nous pensons qu'on a instruit le peuple. Et que les hommes politiques ont compris, parce que quoi qu'on vous dise, quelle que soit la qualité du code électoral, quelle que soit la fraude mise en place, et vous me permettrez de dire deux choses sur la fraude, si les Camerounais et ceux qui se disent politiciens acceptent le changement, ça changera. Le pouvoir mise sur la passivité et l'individualisme pour faire ce qu'il veut. Tenez, on vous dit que le Nord, c'est une réserve de voix pour Paul Biya. Oui. Mais expliquez-moi. On nous présente le Nord comme la zone peu scolarisée, la zone où les gens n'ont pas d'acte de naissance, la zone où les gens n'ont pas de carte d'identité. Comment ils font pour s'inscrire jusqu'à être plus nombreux que ceux dans les zones où chacun a sa carte d'identité? C'est tout simplement parce que le pouvoir a mis en place un système avec les lamidos. C'est chaque lamido qui imagine combien d'inscrits il a et le jour de vote dit combien il a voté. Donc, quand je parle donc de la prise en main du peuple, quand demain, l'élite du Nord peut dire au lamido, vous ne ferez pas ça, le pouvoir n'aura rien. Il n'aura rien. Et si demain, nous tous, on cesse de parler de l'individu, parce que ce qui tue le Camerounais, se dire, ah, si c'est Kamto, c'est un ceci, si c'est tel, c'est un Bassa. Mais il faudra quand même que quelqu'un qui gouverne le Cameroun vienne de quelque part. Oui. Si nous nous mettons ensemble aujourd'hui, on dit faisons quelque chose pour le Cameroun. Et si chacun peut taire sa gourmandise, son égoïsme et son jeu. Mais on ne joue pas avec le peuple. Parce que le peuple, quand vous trahissez le peuple, c'est comme vous avez trahi Dieu. Il finit toujours par se venger. Je voudrais donc vous dire que si des dispositions sont prises au Nord pour neutraliser les lamidos pour qu'ils ne donnent pas le faux résultat.
Si le vote ici est surveillé pour que le résultat sorti de l'urne soit ce qu'il faut, celui, nous sommes sûrs que l'opposition camerounaise, de l'Ouest, de Fumbana, Douala, Makak, tout ça, gagnera. Si tout le monde travaille pour que ça gagne. Mais vous avez toujours milité, vous, au MRC, et d'autres partis politiques d'ailleurs, milité pour la modification du code électoral comme condition à votre participation aux élections. Non, rien de cela n'a été fait. Non, on a dit que ça peut faciliter. Mais le peuple, personne ne vainc le peuple. L'Amérique, avec tout son armement, n'a pas pu vaincre en Indochine, ni en Afghanistan. Quand un peuple est décidé, si demain le peuple dit « Ok, on va au vote », c'est pour ça que nous encourageons les gens à prendre leur carte de vote, d'aller voter le moment venu et de surveiller leur vote. Parce que si vous dites « J'ai voté pour Kamto », Kamto n'a pas besoin de votre vote. C'est un avocat international qui a de quoi vivre. Kamto veut vous aider à mieux vivre. Il se dit, il y a une certaine honte à être heureux tout seul. Moi, je dis aujourd'hui, j'ai eu la chance de bien vivre, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Mais les enfants que je vois là dehors, quelle est leur chance si je ne me bats pas pour qu'on arrête de piller ce pays? Si je ne me bats pas pour que ces enfants demain aient l'égalité de chance? Moi, j'ai eu l'égalité de chance quand j'entrais à l'école normale. Je suis de parents pauvres. J'étais troisième, je suis entré sur troisième, je suis ressorti troisième parce que quand même devant moi, il y avait deux cracks, dont un gars de l'extrême nord, Chumpen Palay. Donc, je dis, maintenant qu'un enfant à l'école n'est pas sûr que demain, s'il fait un concours, il va passer. Oui, oui. S'il n'a pas de frère, s'il n'a pas ceci. Nous nous battons pour que demain, si tu échoues, tu t'en prends à toi-même. Tu te dis vraiment, tel qui a eu me dépasse. Même quand on était à l'école, il me dépassait. Oui. Alors, votre parti annonce également pour cette année 2023 son congrès et il y aura quand même, Maurice Kamto aura affaire à concurrence. La première qui a été déclarée, c'est celle de Michel Ndoki. Vous qui êtes le conseiller du président Kamto, est-ce que c'est une candidature qui vous dérange, non. vous inquiète? Oui. Moi, je vais vous révéler oui. que je me prépare pour être pape. Je veux qu'on va me voter comme pape. Pour le moment, parlons du MRC. C'est pour vous dire que chacun a le droit de rêver. Dans un parti politique, il y a les textes, il y a le cheminement. On ne peut pas... Tu t'annonces candidat à qui? Ce n'est pas le peuple camerounais qui vote. Aux militants du MRC. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller à la télé pour s'annoncer aux militants? Mais les militants du MRC regardent la télé. Si tu ne leur parles qu'à la télé, c'est que tu n'as pas le moyen de leur parler en direct. Et si tu ne leur parles pas en direct, je ne sais pas comment, quelle appréciation, quel acte tu poses pour leur dire. Comme vous voyez là. C'est sa stratégie à elle. Je ne voudrais pas que vous nous perdiez du temps. N'importe qui dans un parti politique peut être candidat. Justement. Alors, donc, je n'ai pas besoin. De candidature. Il faut qu'il y ait la candidature. Nous saurons qui est candidat le jour de la convention. Et si tu remplis les conditions pour être candidat, si tu as... Non. Cette histoire que le RDPC a inventée, depuis qu'elle est venue lancer sa pop, elle a disparu. Nous, on est en train... Ah, je peux vous dire qu'elle se prépare, hein? Mais c'est bon. Si demain, nous prenons la démocratie d'une manière démocratique, elle devient présidente du parti. Mais je serai son conseiller si elle m'accepte comme conseiller. Mais elle n'a pas besoin d'aller dire aux gens, comme vous voyez là, je m'en vais au village Bamungum pour faire quelque chose. Non, les Bamungum, va chez les Bamungum. Tu leur dis ça. Tu n'as pas besoin de venir au marché de Douala crier que dans une semaine à Bamungum, je vais danser. Non, vraiment, laissez-nous ça. Le pouvoir croit pouvoir atteindre le MRC avec ses manœuvres. Mais le MRC jusqu'ici a montré que sa capacité de résilience... Pourquoi vous considérez sa candidature comme étant une émanation du pouvoir? Ça peut être une ambition personnelle, non? Mais non, si c'était une candidature, elle l'aurait réservée à nous ses camarades. Elle n'a pas allé à la télé de M. Bia ou de ses acolytes, elle bavarde et elle reprend l'avion pour partir. Il faut travailler le terrain. Même quand on n'est pas sûr qu'il sera demain élu, si... Il n'a pas posé des actes sur le terrain qui montrent qu'on peut lui faire confiance.
moment donné, le MRC s'était lancé, le MRC redoutait ce que vous aviez appelé la succession de gré à gré. Nous, on n'a jamais redouté. On a dit que ça ne se fera pas. Et on a les moyens pour que ça se fasse. Oui. Et puis, alors, vous n'en parlez plus beaucoup. Est-ce que le spectre de cette succession du gré à gré s'est éloigné? Le peuple camerounais est en train de montrer quelque chose. Oui. Ce que les chefs traditionnels ont fait là montre que le peuple n'acceptera plus n'importe quoi. On vous a présenté une photo, parce que la photo de la photo, c'est encore moins que la photo. On vous a présenté un jeune homme qui jusqu'ici vit sa vie tranquille. On vous dit qu'il sera successeur. OK. Oui, vous parlez du fils du président. Que quelqu'un vienne vous dire « je veux être président parce que je suis le fils du président », ça ne vous amuse pas. Mais il n'a pas encore dit. Ah, on a dit à sa place. Est-ce que Biya a déjà parlé? On fait tout à la place de Biya. Il fait comme son père. Non. Est-ce que vous, beaucoup redoutent le rôle de la France? La France, aujourd'hui... dans ce gré à gré. La France, aujourd'hui, joue un mauvais rôle. Lequel? Je vous ai dit, la France avait dit que c'est elle qui nous a fait libérer. Et c'est vrai. Pourquoi elle ne fait pas libérer les autres militants du MRC qui sont en prison et qui n'ont rien fait par rapport à ce que nous-mêmes, on avait fait? Pourquoi? Vous ne vous doutez pas. C'est parce que le pouvoir en place a dit à la France... Je crois. Si vous laissez que les gens marchent contre moi, je pars, ils vont marcher contre vous pour que vous partez. Regardez ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe en Centrafricain. La France a dit, ah, si c'est les conditions pour que je garde mes avantages au Cameroun, autant les laisser, même si on tue 200 000. J'ai tenté de rencontrer l'ambassadeur qui est parti. Par 5 fois, il ne m'a pas reçu. Il m'a donné des faux rendez-vous. N'en parlons pas pour Canton. Alors, si vous êtes un pays ami d'un pays supposé démocratique, mais vous prêtez quand même une oreille attentive à ce que ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière de gouverner disent. Mais la France, pour montrer qu'elle est entièrement d'accord avec le pouvoir en place, et le pouvoir en place dit à qui veut l'entendre, tant que la France ne brime pas, ne blâme pas ce que nous avons fait, nous dormons sur nos 2 lauriers. Ah, OK. Au Mali, ils ont dormi sur leurs 2 lauriers. Au Mali, ils avaient... au Burkina, ils avaient Blaise Campare, qui était leur pote. Ça n'a pas empêché qu'ils partent. Le jour où le peuple se lève et dit qu'on part, quelle que soit ta force, tu pars. Et nous travaillons pour apprendre au peuple à se lever. Nous ne préparons pas le peuple à être rebelle. Nous préparons le peuple à revendiquer ce qui lui revient. Quand un enfant veut téter, il crie. C'est une autre façon de rappeler à sa mère que « mais donne-moi le sein ». Donc nous voulons que le peuple apprenne à crier, que le peuple ne soit pas là comme le bouc à mourir sans bêler. Non. Oui. Nous allons sortir bientôt de cette émission. Alors, nous allons évoquer un sujet qui a nourri les commentaires du temps de votre diète médiatique. C'est le phénomène des microbes ici à Douala, en clair, des petits voyous qui ont pris en otage à un moment donné toute la ville. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène qu'une ville comme Douala, certains quartiers, soient carrément pris en otage par des jeunes voyous qu'on a appelés microbes? Je voudrais que votre réalisateur, si cette émission était prévue pour durer 1 heure, et si on a déjà dépassé, que vous accordiez 5 minutes de plus. Ça, c'est un sujet terrible. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Vous entendez micro, c'est des individus, pas camerounais, que le pouvoir a introduit au Cameroun pour neutraliser les débrouillards Ben Skinner. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui à Douala... Est-ce que ce que vous dites n'est pas presque, tiré par les cheveux? Vous avez aujourd'hui à Douala presque 1 400 000 Ben Skinner moto dans la rue. Vous n'avez pas 500 000 Camerounais dedans. Les autres, c'est les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés, les Centrafricains, toute l'Afrique de l'Ouest qui arrive sans papier, sans carte d'identité, sans rien. Le pouvoir les a introduits en disant que les Ben Skinner étaient devenus un contre-pouvoir à Douala. Il faut maintenant les diluer pour que s'ils appellent même à la sortie, personne ne sortira. Bien. Mais toujours est-il qu'ils ont oublié que ceux qui viennent des Centrafricains, c'est des gars qui sortent des maquis.
qui sont des guerriers. Ils arrivent, ils ont le maniement de couteau, égorger quelqu'un, pour eux, c'est rien. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui vous égorge comme ça. Et voilà. Donc, les microbes sont ces gens que le pouvoir a amenés pour qu'on crée. Parce que dans le temps, le Benskin s'était fait par des gars du nord, de l'ouest et du sud-ouest. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je vais, parlant de Benskinner, dire que quand le pouvoir dit qu'il cherche l'argent, vous avez un domaine où la rentabilité dans une affaire, c'est en 2 mois. Une moto coûte 600 000 au jour. 500, 600 000, oui. Le Benskinner qui travaille le moins à Douala, le paresseux, il fait 10 000 par jour. Ça veut dire qu'il a 300 000 par mois. En 2 mois, il a l'argent d'une moto? Non, c'est pas possible. L'État devait donc faire un ajustement pour que la rentabilité dans l'investissement dans ce domaine soit au moins au bout d'un an, 1 an et demi. Donc la moto devait avoir une taxe sur les services qui fait que avant que tu ne vendes la moto, tu prélèves la taxe de l'État, même 1 million dessus. Parce que avant que les motos chinoises ne viennent, les motos d'occasion du Japon qu'on appelait chien noir, ça coûtait 1 million. Et les gars s'en sortaient. Donc, il ne faut pas qu'on vienne vous tromper. L'État veut laisser faire ce domaine. Et ce domaine a tué le développement du Cameroun. Tu n'as plus de garçons de maison. Tu n'as plus d'apprentis maçons. Tu n'as plus de plombiers. Oui, tout le monde est sur la moto. Moi, j'en ai pris ici. Et j'ai dit, vraiment, je vais lui enlever l'envie de partir. Je lui donne 120 000 par mois. Il n'a même pas le CEP. Dès qu'il a eu 600 000 d'économie, il a acheté la moto, il est parti. Il te dit même plus au revoir. Vous avez des gars là qui ont des licences, c'est vrai. Quand ils vous parlent, ils ont les larmes aux yeux, la pénibilité de ce qu'ils font. De l'activité. Mais ils ne sont plus prêts à laisser la moto pour venir travailler pour 150 000. C'est pas possible. Ils ont une rentabilité terrible. Donc c'est un secteur qu'il faut réorganiser. Oui. Justement, comment est-ce qu'on réorganise un secteur? Déjà, l'État prend en main la fabrication et la distribution de motos. L'État fait en sorte... C'est-à-dire que le Cameroun commence à fabriquer des motos? Fabriquer les motos, puisque ça sera notre moyen de transport. Le bout du tunnel n'est visible que par ceux qui ont construit le tunnel. Le bout du tunnel des Camerounais, ce n'est pas pour demain. La misère va être encore plus. Donc, beaucoup vont demain toujours se rabattre sur la moto. Donc, il faut fabriquer la moto. Ensuite, vous ne pouvez pas être dans un pays où on ne sait pas à qui appartient la moto. Il faut immatriculer toutes les motos. Et pour le faire, il faut dire aux vendeurs, tu ne vends une moto qu'après avoir immatriculé. Oui. Ça éliminerait déjà du sphère de Benskinner les étrangers. Comment pouvez-vous permettre aux étrangers qui n'ont ni papier, ni carte d'identité, ni rien, de servir de guide de transport dans votre pays? Mais c'est des gars qui peuvent à tout moment vous vendre. Ils n'ont rien à perdre. Donc l'État devait reviser sa position dans cette affaire et demander aux spécialistes que nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il vous souvient que le président de la République, une fois, avait effectivement parlé des mototaxis dans son discours. Et malheureusement, les Camerounais sont montés au créneau pour reprocher au chef de l'État un peu de légitimité. Il a voulu les récupérer. Il savait que les mototaxis, dans un premier temps, tous ces licenciés, tous ces diplômés qui étaient sur la moto étaient fâchés. Bon, maintenant... Par la force des choses, ils prennent l'habitude. Ils se disent que si c'est un moyen de vie. Et ceux qui sont là préparent un capital pour devenir commerçants et tout. Donc, la moto aujourd'hui est devenue un élément destructeur de petits emplois. C'est un élément qui empêche le développement d'un pays. Si ces gens-là, Yaoundé, pensaient au travail et ne pensaient pas seulement à voler, parce que je vous dis, c'est des gens, si vous leur dites « vous ne volez plus », c'est que vous les avez condamnés à mort. Donc, sa profession, se voler. Bon, il y en a qui volent pour se faire un capital, il y en a qui volent pour régler un problème ponctuel, il y en a qui volent pour développer, mais eux, leur profession, c'est voler. Ils ne savent même pas combien ils ont. Puisque je vous ai dit qu'ils sont incapables de pouvoir compter 50 millions comme ça, ils comptent billet par billet jusqu'à voir que c'est... Ils n'ont jamais fait ça. Oui, revenons au mototaxi. Quelle solution pour... organiser le secteur des mototaxis au Cameroun, pas seulement dans la ville. Ça ne devrait pas être un secteur. Oui. Mais il faut d'abord organiser la moto. Oui. À combien peut-on vendre une moto? Bon, si la Chine vend la moto qu'elle a fabriquée là-bas à 600 000, ça veut dire que la moto
sortir de l'usine là-bas coûte moins de 300 000. Mmh. Donc, nous, on peut fabriquer des motos à 300 000. Les vendre à 1,5 million. Imaginez combien d'argent l'État va engranger. On peut immatriculer ces millions de motos. Je ne sais pas, l'immatriculation, c'est peut-être 20 000 ou 30 000. Imaginez combien d'argent ça va donner. Mais l'État a peur d'une chose. Si je m'attaque à ces abeilles et qu'ils vont derrière Tamto, je suis mort. Je préfère laisser que les microbes de temps en temps fassent ce qu'ils ont à faire. Un point, c'est tout. Mm. Nous sommes le seul pays où il n'y a pas de contrôle d'identité pour voir si un étranger vivant sur notre sol. Même quand on dit qu'il y a la libre circulation, c'est pour un séjour déterminé. Mm. Vous pouvez vivre au Centrafrique 3 mois sans demander la carte de séjour. Mais dès que vous êtes là depuis 5 ans, vous n'avez pas de carte de séjour, vous êtes Camerounais. Comment vous prenez en otage un pays? Et je dis, je demande aux hommes politiques que chacun taise son orgueil et que nous préparions la transition. Parce que cette transition sera l'affaire de tout le monde. Mon grand frère Edouard Tutus en a parlé. Mm. Il faut que ceux qui ont la volonté oublient cette histoire de « je suis de telle tribu ». Parce que quand on parle de la démocratie de tribu, ça m'étonne. La démocratie, c'est la loi de la majorité du peuple. Et aucune tribu, si on veut faire la démocratie tribale, donc on n'a qu'à créer un président du Nord, un président de l'Ouest, un président de ceci, et chaque région. Non, mettons-nous ensemble. Le nom du président compte peu. Si on est d'accord pour atteindre un but, et si chacun s'excelle, tout le monde est président, parce que dans le domaine qu'on va te confier, tu vas te sentir utile, tu vas sentir que ton travail va contribuer au développement et au renouvellement de la mentalité et au mieux-être des Camerounais. Donc, je prie tous ceux qui sont sincèrement hommes politiques, pas des hommes politiques à la manière des pasteurs révélés ou des journalistes révélés, pas des hommes politiques téléguidés, tous ceux qui sont vraiment hommes politiques et qui ont quelque chose à apporter, de souffrir, de se mettre ensemble. Ouais. Sortant de cette émission, vous êtes un vieux routier de la politique au Cameroun, Albert Nzongan. Est-ce que vous êtes toujours fier d'être un homme politique? Je suis très fier d'être un homme politique parce que les hommes politiques de ma trempe qui ont eu la tentation que j'ai eue et qui sont sortis indemnes ne sont pas nombreux. Les gens ne savent pas que j'ai été pendant 5 ans rapporteur général du budget de l'Assemblée, c'est-à-dire j'étais le patron du budget. Mm. Je pouvais avoir mes hommes de main et leur faire exécuter n'importe quel marché. Je ne l'ai pas fait. Pendant que j'étais député, je n'ai jamais dormi à l'hôtel des députés. Je dormais au Hilton, pas de moyens. Je me suis toujours donné le moyen d'être un homme politique libre. Quand on a donné 1 million à chaque député pour voter la fausse constitution de 96, les gens ont dit que ne donnez pas à Zongan. Si on lui donne, il va dire. Si on ne donne pas, il va dire. On ne m'a pas donné, j'ai dit. Bon, ça n'a pas empêché qu'on vote. Encore que ça a été un coup d'épée dans l'eau parce que toutes les dispositions de cette constitution jusqu'à aujourd'hui ne sont pas mises en œuvre. Tout simplement parce qu'on avait introduit le cependant, le néanmoins, les en attendant, qui sont les tue-textes. Oui. Quand vous voulez tuer une loi, vous mettez le cependant dedans, ou vous mettez le néanmoins, ou vous dites en attendant, toutefois. Oui. Que répondez-vous, ce sera la dernière question, à ceux qui estiment que on a l'impression au Cameroun aujourd'hui que la politique c'est une forme de refuge pour certains? Ils ont raison. Vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils vous disent qu'ils sont présidents du parti. Mais mon ami, vous voulez donner quel exemple? La politique, c'est l'art de prêcher par l'exemple. Ça dit, quand les gens me disent, vous étiez avec eux, je dis, ok, j'étais avec eux. Je ne veux même pas perdre mon temps à dire que je n'ai pas volé, parce qu'on ne peut pas prouver que j'ai volé. Mais j'ai cessé, j'ai vu que c'était un mauvais chemin, et j'ai changé. Je voudrais profiter pour vous dire, j'ai lu dans les réseaux sociaux, ces analyseurs de pacotille qui s'en prennent à Bezegui, au motif qu'il a changé le veste. Ah, qu'est-ce que la vie politique? C'est une adaptation. Si mon ami Bezegui s'aperçoit aujourd'hui qu'il s'était trompé de chemin, et sincèrement, il veut se mettre au service du peuple, il n'est pas tard. Tous ceux qui disent, même Biya aujourd'hui peut dire, merde, je n'avais pas vu ça comme ça, quand tu viens. Bon, le peu de temps que j'ai là, organise-moi ça s'il te plaît, que je vois avant de mourir. Mais on va applaudir. On va lui dire qu'enfin, il a compris qu'il ne vaut rien. Si le ministre, y compris
celui pour qui nous avons parlé une fois, le premier ministre se dit que je fais quoi ici? Il dit que moi, je m'en vais où? Mais il a rendu service à la nation. Mais quand vous êtes là, vous ne dites rien. Vous complotez, vous participez à la, au complot. Mais mon ami, il ne faut jamais reprocher aux gens leur mise en cause. Donc, je profite pour envoyer un message à mon ami Bedzigui en disant « Tu as tout mon soutien ». Je voudrais dire à Messanga Nyamding de suivre son exemple, de ne pas continuer à rêver que, parlant de Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, ça empêche qu'autour de Paul Biya, les gens détruisent le Cameroun. Et si l'entourage de Paul Biya détruit le Cameroun, je ne veux pas faire la langue de bois comme vous, c'est lui. Parce que c'est lui qui a choisi son entourage. Et il est suffisamment informé pour savoir qu'il a mis autour de lui des loups, des brigands, des tueurs, et des voleurs. Alben Zongan, merci. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de votre émission Autant le dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, et je pense que ce sera un invité politique. Merci.